Les attentes des entreprises vis-à-vis des jeunes diplômés en insertion professionnelle ont beaucoup évolué ces dernières années pour faire face à la complexité accrue de l'environnement et aux mutations géoéconomiques récentes. À cet égard, Droit et Devoir a organisé aujourd'hui sa deuxième séminaire à la faculté polytechnique à Mons en présence du consul général du Royaume du Maroc en Wallonie, M. Hassan Touri, et le président de l'ASBL Droit et Devoir, le professeur Christian Bosch, et le représentant du Forum et de l'Université Kaderia de Marrakech. Selon M. Bouchaïb Samaoui, ses compétences sont complexes et donc les activités qui vont permettre aux stagiaires d'appliquer et de transférer de telles compétences seront-ils aussi complexes? Ça, c'est d'abord des études qui ont été faites, que les étudiants, quand ils sortaient par exemple de l'université, leurs compétences théoriques, techniques, ils étaient, je dirais, à la hauteur des besoins de la société. Mais malheureusement, notre société, quelque part, évolue. Donc, et l'évolution demande d'autres compétences qui sont ces compétences comportementales. Il faut savoir, par exemple, quand on parle de la communication, on peut l'avoir d'une manière réductrice, de dire, mais c'est lire et écrire. Mais aujourd'hui, dans la communication, ça veut dire, quand tu travailles dans mon entreprise, comment tu peux communiquer avec tes collègues. Donc, il y a une intelligence relationnelle. Comment, quand il y a un problème, comment je peux le communiquer, mais sans faire de ça un problème au niveau de la société. Comment je peux aussi communiquer avec mes collègues en connaissant ma personnalité et la personne d'autre et avoir aussi de l'empathie. Donc vraiment, il y a une évolution, il y a un besoin et il est nécessaire de s'y intéresser. Parce que avant, on le faisait, mais on le faisait d'une manière informelle. Mais aujourd'hui, il faut les formaliser. Pour dire que l'université Kaderia a commencé, mais avant cette vision globale de notre ministère. Et c'est grâce à cette expérience au niveau de l'université Kaderia que, à l'échelle. Et désormais connu, des compétences techniques sont importantes, c'est les soft skills et les langues. Mais demeurent insuffisantes pour trouver un travail. Et ce fait d'analyser une offre d'emploi pour constater que les recruteurs accordent plus d'intérêt aux soft skills. Notamment et actuellement, la capacité on espère, on n'a pas encore les résultats au niveau de l'embauche, mais on espère au moins réduire ce taux. Donc ma présence ici aujourd'hui en tant que consul général du Royaume du Maroc à Liège, c'est d'accompagner ce genre de rencontres et de montrer que l'intérêt que Sa Majesté le Roi accorde à ces programmes nous oblige à être présents et à encourager les partenaires marocains et belges à fournir plus d'efforts pour que nous soyons tous à la hauteur des attentes du souverain Lensro. Les soft skills prennent actuellement de l'importance vu leur rôle incontournable dans l'employabilité des jeunes. Ce dont on a besoin dans ce siècle-là, c'est plus de soft skills. On a tellement développé des hard skills, mais il nous faut des compétences transversales. Il nous faut comment, bien sûr, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. Ça, c'est fondamental dans toute entreprise. C'est fondamental dans le monde. C'est fondamental dans le troisième millénaire.